Comment on se protège les uns les autres après le confinement? On n'oublie pas le plus important, le Covid est toujours là et il est dangereux. Heureusement, on peut limiter sa transmission en respectant les bons gestes. Ainsi, on se protège soi, on protège ses proches et tous les autres. C'est quoi les gestes simples pour se protéger les uns les autres? On le sait, le plus important c'est de se laver les mains très régulièrement, avec de l'eau et du savon pendant 30 secondes à chaque fois. On peut aussi utiliser de la solution hydroalcoolique. Quand on croise des gens, on reste à au moins 1 mètre de distance, dans les magasins, dans la rue, au travail. Et dans les transports, on évite autant que possible les heures de pointe. Même si on ne s'est pas vu depuis longtemps, on se salue sans se serrer la main, ni se serrer dans les bras. On tousse et on éternue dans son coude ou dans un mouchoir. Pour se moucher, on utilise un mouchoir à usage unique, puis on le jette. Et on évite de se toucher le visage, surtout le nez et la bouche. En plus de ces mesures essentielles, on utilise un masque grand public si on ne peut pas rester à une distance d'un mètre les uns des autres, dans certains lieux publics où il est obligatoire, comme les commerces et les transports. Si on s'y met tous ensemble, bloquer la transmission du virus, c'est possible. Tous les soignants comptent sur nous. Pour plus de conseils sur la vie quotidienne après le confinement, gouvernement.fr/info-coronavirus. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Thank you.
Amis internautes, bien-aimés dans le Seigneur, Église de la Brousse, bonsoir. Le blé domine le commerce international des céréales. Chaque année, 650 à 685 millions de tonnes sont produites et 654 à 660 millions de tonnes sont consommées. Le défi pour la sécurité alimentaire mondiale est de nourrir une population qui ne cesse de croître. Le message de ce soir s'intitule « L'heure est déjà avancée ». L'heure est déjà avancée. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons, Seigneur, de nous éclairer, de nous permettre d'analyser ce que tu auras à nous dire en ce soir. Parle à nos cœurs, Seigneur, et permet que nous puissions faire ta volonté, que nous puissions être puissants en actes et en paroles, afin que la gloire de l'Éternel soit révélée parmi nous, en nous, à travers nous, dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. L'heure est déjà avancée. Jean-Baptiste est celui qui est chargé d'annoncer la venue et la mission du Sauveur Jésus-Christ. Il prêche avec zèle, il parle, il exhorte, il encourage, il censure, et pour cela, il est décapité. Jean-Baptiste est décapité. Nous sommes dans Matthieu, le 14e chapitre de l'évangile de Matthieu. Matthieu 14, et nous lisons à partir du verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Le soir étant venu, donc après 15 heures, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. » Donc, au soir d'une longue journée agitée, la foule qui a suivi Jésus est fatiguée, épuisée, de plus affamée. Il y a des gens qui sont restés debout depuis des heures. Certains ne sauraient dire depuis combien de jours ils n'ont pas mangé. Les gens sont là, ils sont fatigués. Et les disciples l'ont remarqué. Ils ont vu que la foule a un besoin. Ils ont remarqué que la foule est épuisée. Ils ont remarqué que la foule est affamée. D'où cette remarque, d'où ce conseil à Jésus. L'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. La foule ici est affamée, mais elle ne manifeste aucun murmure, aucune réclamation, aucune plainte. Plutôt bizarre pour une foule qui a faim. Quand les gens ont faim, ça se voit, surtout une foule. Ça s'entend. Ça se manifeste. Je regardais aux informations, avant le confinement, la situation du Venezuela. Les dirigeants politiques ont mis le pays à mal. Et donc, ils rationnent la population. Mais les gens ont faim. Les gens sont fatigués et ils descendent dans la rue. Et bien sûr, qu'est-ce que cela donne? Eh bien, qu'est-ce que cela a donné? Eh bien, des heurts avec les forces de l'ordre. Donc, une foule qui est affamée, ça s'entend, ça se ressent. D'ailleurs, nous sommes dans Nombre. Nombre 11. Regardons avec moi ce qu'est l'esprit de la foule. Nous sommes dans Nombre 11 et les versets 4 à 6. Le ramassé de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël
fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ours. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Voilà un peu le caractère de la foule, voilà l'esprit de la foule. Et pourtant, c'est une foule qui a à manger. Le peuple d'Israël, au temps de Moïse, a à manger et ils se plaignent. Quand même, ils murmurent quand même. Avec de la nourriture dans la bouche, ils se plaignent. Mais ce n'est pas la même foule du temps de Jésus. Revenons au texte. Nous sommes dans Matthieu 14. Matthieu 14 et au verset 16. Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Alors là, les disciples sont abasourdis. D'habitude, c'est Jésus qui guérit. D'habitude, c'est Jésus le pourvoyeur. D'habitude, c'est Jésus qui agit. Mais là, il pousse ses disciples à agir. Donnez-leur vous-même à manger. Il n'y a pas longtemps, dans l'église où je suis, à Philadelphie, nous avons entrepris, enfin, c'est la responsable de l'école du sabbat qui a eu l'idée de distribuer des denrées alimentaires pour le quartier. Brillante action. Et le Seigneur nous a fait voir que c'était bien. Alors, nous avons distribué et bien sûr, les gens nous ont reçus à bras ouverts. On a reçu une seule remarque. C'est une personne... Quand les frères et sœurs ont été chez elle, elle a dit « Non, non, j'ai ce qu'il faut, donner à un autre. » Et moi, j'avais quelques sachets, je continue dans le quartier, et je vois le responsable de l'association du quartier. Et donc, comme on s'en connaît, je lui dis « Excusez-moi, vous connaissez des gens qui sont en difficulté ?» Et il me répond « Ah, vous savez, en quartier là, tout le monde est en difficulté. » Frères et sœurs, je ne m'attendais pas à une telle réponse. Je pensais plutôt qu'il m'aurait dit, « Va chez Madame Etel, va chez celui-là, va. » Non, la réponse a été, « Tout le monde là en difficulté. » Donc, lorsque Jésus-Christ dit, « Donnez-leur vous-même à manger », il s'adresse aux disciples. Mais les disciples ne sont plus... Les 12 dans le récit ne sont plus. Donc, en réalité, quand Jésus-Christ s'adresse aux disciples et leur dit « Donnez-leur vous-même à manger », à qui s'adresse-t-il? Nous sommes dans Luc 9 et le verset 10. Évangile de Luc, Luc 9 et Luc 9 et le verset 10. Nous évoluerons à la lumière des quatre évangiles et au fur et à mesure, nous verrons que un évangéliste, Marc, Luc, Jean, nous donne une information de plus. Donc, Luc 9, verset 10. Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su le suivre, Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule ». Et le texte reprend. C'est le même événement dont parle Matthieu. Avec une précision de plus, l'action se passe à Bethsaïda. Bethsaïda est une localité où habitent les Juifs. Nous ne sommes pas, frères et sœurs, mesdames et messieurs, en territoire païen. Nous sommes en territoire juif.
au sens spirituel et symbolique, Bethsaïda représente l'Église. Bethsaïda représente l'Église. Une petite recherche du nom m'indique que Bethsaïda veut dire maison de la pêche. Très intéressant. Maison de la pêche. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quel est ce lieu de transformation pour une vie nouvelle que l'Église? Quelle est cette maison accueillant des pécheurs les plus abjects pour en faire des pécheurs à la gloire de Dieu que l'Église? Quelle est cette maison où l'onction et l'action de Dieu se font ressentir que l'Église? Quelle est cette maison où l'on vient apporter et déposer sa reconnaissance à Dieu que l'Église? Donc, Bethsaïda représente tout ce qui est bon, agréable et parfait. Et pour ceux qui, dans ces temps difficiles de reprise de notre situation, voudraient faire marche arrière, je les invite à venir à l'Église. L'Église, c'est tout ce qu'il y a de bon, d'agréable et de parfait. Mais l'Église, Bethsaïda, c'est aussi autre chose. Revenons maintenant, ou bien plutôt allons dans Jean 1 et le verset 44. Jean 1 et le verset 44. Souvenez-vous que nous avons dit que les disciples connaissent Bethsaïda. Ce lieu ne leur est pas inconnu. Nous sommes dans Jean 1 et le verset 44. Philippe, le disciple de Jésus, Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Tiens. Très intéressant. Philippe, disciple de Jésus, était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Donc, il y a au moins trois disciples déjà qui sont de Bethsaïda. Donc, ils connaissent Bethsaïda. Ils vivent à Bethsaïda. Ils savent ce qui est bon, agréable et parfait à Bethsaïda. Maintenant, avançons un peu plus loin. Nous sommes maintenant dans Jean 6. Jean 6, nous tournons les pages, quelques pages, et nous nous rendons dans l'évangile de Jean 6 et le verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, vous voyez, Matthieu nous dit que Jésus dit aux disciples, mais Jean précise la chose en disant, Jésus dit à Philippe, ce même Philippe qui est de Bethsaïda d'ailleurs, où achetons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Mesdames et messieurs, frères et sœurs, Bethsaïda, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait. On se sent bien à Bethsaïda. Mais Bethsaïda aussi représente l'incrédulité. Serons-nous à Bethsaïda, dans l'église de Dieu, tout en étant incrédule? Bien sûr, Dieu a mis Bethsaïda pour que nous puissions développer la foi, pour que nous puissions monter en puissance, déposer notre reconnaissance à Dieu, recevoir l'onction du Seigneur, nous manifester de la joie, de l'amour, de l'entente, de l'harmonie,
Frères et sœurs, faisons attention pour ne pas être incrédules dans la maison de Dieu, à Bethsaïda. Alors, les disciples sont incrédules, mais ils sont incrédules à quel propos? Le texte le dit. Verset 9, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Ils sont incrédules par rapport aux faibles moyens qu'ils ont. 5 pains et 2 poissons. Ce n'est pas 2 pains, ce n'est pas 3 pains, c'est 5 pains. Que signifie ces 5 pains? La parole de Dieu s'explique par elle-même. Nous sommes dans 1 Samuel 21. 1 Samuel 21. 1 à 4. 1 Samuel. Verset 1 à 4. David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec, qui a couru effrayé au-devant de lui et lui dit, « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacrificateur Achimélec, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit, « Que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main ?» Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Amen. Si du moins tes gens se sont abstenus de femme. Au verset 6, alors le sacrificateur lui donna du pain consacré. Amen. Car il n'y avait pas là d'autres pains que du pain de proposition, amen, qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Dans l'Ancien Testament, mesdames et messieurs, le chiffre 5 représente ce qui est consacré, mis à part pour l'Éternel. Il nous a fait mention de 5 pains consacrés, mis à part. Quel est ce personnage qui se définit comme étant le pain de vie? Il a été consacré, Jésus-Christ a été consacré pour que nous puissions avoir cette vie, la vie en abondance. Il dit, je suis le pain de vie, l'étoile brillante du matin, le juge, avocat, le seul Seigneur. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Alpha et Oméga, premier et dernier. Jésus-Christ est tout. Je suis le pain de vie. Les 5 pains représentent la vie de Jésus, la mort du Christ, sa résurrection et son intercession en faveur de Bethsaïda, en faveur de l'Église, en notre faveur. Voilà ce que représente le pain. Le pain aussi représente la parole de Dieu. Car comment connaître Christ sans connaître sa parole? Et en venant, j'étais sur la route et j'ai vu un grand panneau avec une mère tenant son enfant. La phrase dit « Nourrir le lien ». Comment nourrir le lien sans étudier la parole de Dieu? Puisque si le corps réclame de la nourriture, l'âme aussi a besoin de nourriture. Et pour l'obtention de cette nourriture, la parole de Dieu doit être étudiée. Le pain représente Jésus-Christ dans tout son ensemble. Et quand cet homme, ce responsable de l'association, me dit « Tout le monde est en difficulté », quand je suis arrivé à la maison, j'ai réfléchi, j'ai dit « Seigneur, c'est ça même, tout le monde est en difficulté ». Sans Jésus, mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous sommes en difficulté. Sans Jésus, nous sommes en difficulté. La sécurité alimentaire mondiale se demande comment nourrir une population qui ne cesse de croître, 7 milliards de personnes. La chose est difficile. Le pain représente la vie de Jésus.
la substance de Jésus, la parole de Dieu. Le pain représente aussi autre chose. Souvenez-vous que Abraham, cet homme de Dieu, doit sauver son neveu qui a été kidnappé par des nations païennes. Et Abraham part et va récupérer son neveu. Il part en guerre et il revient vainqueur sur toutes ces nations. Il les a battus à plate couture. Abraham est un vainqueur. Abraham est un vainqueur. Et regardez ce qui se passe. Nous sommes dans Genèse 14 et le verset 17. Genèse 14 et le verset 17. C'est une histoire magnifique. Enfin, un récit magnifique. Genèse 14 et le verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Frères et sœurs, Dieu a une manière d'agir qui dépasse toute logique humaine. Un vainqueur qui a battu des nations puissantes, on ne vient pas l'honorer en apportant de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, un cheval blanc, des serviteurs, des servantes. Non! Melchisédek vient honorer l'homme de Dieu avec du pain et du vin. Qui est Melchisédek? Eh bien, je vous laisse chercher chez vous. Vous trouverez la réponse dans Hébreux, le livre des Hébreux. Nous disions que le pain représente la personne de Jésus dans son ensemble, sa vie, sa mort, sa résurrection et son intercession. Le pain représente la parole de Dieu. Avec ce contact avec Melchisédek, Abraham, l'homme de Dieu, reçoit l'alliance. Melchisédek fait alliance avec l'homme de Dieu. Ainsi, le pain représente Jésus-Christ, sa parole et l'alliance qu'il désire faire avec son peuple. Certaines personnes disent « j'ai Jésus », on entend Jésus à toutes les sauces. Mais est-ce que nous nourrissons de la parole de Dieu? C'est là que nous allons faire alliance avec Christ, la parole de Dieu. Et c'est pour cela que la parole de Dieu est malmenée dans tous les sens. Frères et sœurs, il n'y a pas que la parole de Dieu qui est malmenée. Bethsaïda aussi. Bethsaïda est malmenée. Restriction plus, plus, plus. Restriction à Babo, restriction à Tribo. Covid-19 oblige. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous lisons la parole de Dieu et nous sommes éclairés. C'est le moment maintenant d'étudier la parole de Dieu avec ferveur. Et Jésus-Christ désire nous faire partir d'une piètre relation avec lui pour monter en puissance. Le moment est venu de se nourrir de la parole de Dieu. Connaître Jésus, oui. On dit Jésus, 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 oui. Jésus va te fortifier, Jésus va te faire du bien. Mais est-ce que l'on connaît la parole de Dieu? Quand je suis dans mes moments de tristesse, d'abattement, est-ce que cette parole me réconforte? Est-ce qu'elle m'encourage? Quand j'ai besoin d'une solution,
avant d'aller voir un tel, est-ce que je demande à Dieu de me révéler quelle est sa volonté? Voilà où le Seigneur veut nous amener avec lui. Tout ce que nous faisons, frères et sœurs, nous devons maintenant considérer la parole de Dieu. C'est tout ce que nous avons besoin. La parole de Dieu sert à nous faire découvrir le caractère merveilleux de Christ et de nous transformer, de produire un changement en nous. Voilà ce que peut faire la parole de Dieu. Maintenant, nous sommes dans Marc 6. Marc 6 et les versets 38 à 40. Marc 6, verset 38 à 40. Nous avons considéré Matthieu. Nous avons considéré Luc. Nous avions considéré Jean. Maintenant, qu'est-ce que Marc a à nous dire sur l'événement des pains et des poissons? Il leur dit, au verset 38, « Combien avez-vous de pains? Allez voir. » Donc, c'est Jésus-Christ qui parle ici. « Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Frères et sœurs, ici dans ce récit-là, Dieu parle pour son Église, pour son peuple, pour ceux qui comprennent sa volonté. L'Église, je disais, restriction à gauche, restriction à droite. N'est-ce pas le moment de faire des groupes à la maison, des groupes de prière, de chants, de louanges, là où nous sommes? Je parle d'un groupe qu'on pourrait faire chez nous, où on pourrait respirer une saine atmosphère et inviter les gens à venir. En disant cela, frères et sœurs, je ne parle pas, en disant une saine atmosphère, ça peut faire pays des bisounours, non. Dans un groupe de prière, il peut y avoir un grief. On peut ne pas s'entendre avec un frère, une sœur. Mais nous sommes des personnes éclairées. Et comme le chant le dit, le 434, si l'amour vacille, ce n'est pas pour bien longtemps. Mon épouse avait dans son cœur de mettre à projet un groupe de prière. Et depuis 2013, nous avons monté un groupe de prière à la maison. Et donc, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, le groupe demeure. Les frères et sœurs sont fidèles. Mais il y a des personnes qui viennent cette semaine. Il y a des gens qui savent que nous avons ce moment de prière parce que nous avons dit au quartier que nous avons un espace de prière, s'ils veulent parler et tout. Donc les gens nous connaissent. Et cette dame vient sonner à notre porte. Elle nous dit qu'elle est en difficulté avec sa fille. Frères et sœurs, cette dame est venue à la maison lundi dernier. Elle était en larmes. Le lundi, c'est le moment de prière à la maison. Ça commence à 19h. Et elle est venue à 19h. Elle a chanté. Elle a prié, on l'a réconfortée. Après la prière, ce n'est pas moi qui ai prié pour elle. Nous étions ensemble, nous avons prié avec elle. Après la prière, elle a dit « Je me sens mieux ». Elle est revenue le lendemain matin. Frères et sœurs, le moment est venu de faire des groupes de prière. Je ne parle pas d'abandonner son assemblée ici, non. Mais il nous faudrait aller un peu plus loin avec Christ. Il nous faudrait aller un peu plus loin dans notre relation avec Dieu. Voilà. Voilà où le Seigneur veut nous faire monter. Faire des groupes de prière. L'église est ouverte le samedi, le dimanche et le mercredi. Pourquoi ne pas faire le lundi, le mardi ou le jeudi? La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu encourage. La parole de Dieu donne des coups aussi. Et quand
Christ dit, verset 39, « Alors il leur commanda de les faire asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. » Voilà un coup. Voilà un coup de Jésus-Christ pour tous les détracteurs de l'Église. Tous ceux qui disent, dans les derniers temps, j'ai entendu dire cela, dans les derniers temps, mon frère, l'Église ne sera plus, ce sera un frère par-ci, un frère par-là. Non, 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 frères et sœurs. L'Église de Dieu est organisée et le sera toujours. L'Église de Dieu n'est pas un troupeau sans berger. Il est le troupeau que sa main conduit. À sa tête, le Seigneur des armées, l'Éternel, Jésus-Christ. Donc, ne nous laissons pas troubler quand certaines personnes disent que l'Église sera au pillage. Non, 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 non. Ici, le Seigneur nous dit par groupe. Nous continuons à lire. Nous sommes au verset 41. Il prit les cinq pains et les poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les deux pains et les poissons. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Cet événement est appelé le miracle de la multiplication des pains. Très intéressant. C'est un miracle, d'accord? Mes frères et sœurs, ce n'est pas par rapport au miracle que le chrétien adventiste base sa foi. Sa foi est basée sur Jésus-Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection. Ce qui attire le plus mon attention, ce n'est pas la multiplication des pains. Ça avait déjà été fait. À une moindre ampleur, mais ça avait déjà été fait. Dans 2 Rois 4, à partir du verset 42. 2 Rois 4, à partir du verset 42. Ça avait déjà été fait par un homme de Dieu, Élisée. Mais Jésus-Christ, lui, par cet événement extraordinaire, il est venu rendre la chose meilleure, complète, extraordinaire. Voilà. Je disais que ce qui attire mon attention dans ce texte, ce n'est pas le miracle des pains et des poissons. Jésus l'a fait. Ce qui attire mon attention, c'est au verset 41. Il est dit, il prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Il rompit les pains et les donna aux disciples. Frères et sœurs, ce qui m'interpelle, c'est que Jésus-Christ a rompu les pains. Il les a cassés, il les a brisés. Ici, je pense que le texte me dit que Jésus-Christ veut briser mon orgueil. Jésus-Christ veut briser mon égoïsme. Jésus-Christ veut briser mon incrédulité. Jésus-Christ veut briser mon infidélité. Mais le serais-je brisé? Parce qu'en réalité, en fin de compte, il est plus facile pour Jésus-Christ de multiplier des molécules de farine et de chair à poisson plutôt que de changer un cœur dur. Et pour changer mon cœur, le Seigneur doit me briser. Et frères et sœurs, c'est lorsqu'on se laisse briser que le Seigneur nous utilise. C'est quand on se laisse briser
que le Seigneur nous utilise. Je reviens à la foule. La foule du temps de Jésus est la même aujourd'hui. La foule ne réclame rien. Elle n'est pas dans la revendication. Pourquoi? Parce que la foule du temps de Jésus, sa nourriture avait le goût de l'angoisse, le goût de l'anxiété, le goût de la peur, le goût du stress. Voilà pourquoi les gens avaient faim, mais ils attendaient quelque chose de plus. Avez-vous vu dans votre entourage des personnes qui viennent et qui disent « Nous voulons Jésus, nous avons besoin de Jésus, amène-nous à Jésus. » Certes, par ce COVID-19, les gens, il y a eu un regain pour la parole de Dieu. Mais en général, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est nous qui devons aller vers eux. Les disciples ont vu et nous aussi, nous devons voir les personnes qui sont en difficulté. Il y a une foule affamée. Et lorsque la sécurité alimentaire mondiale se casse la tête, le défi de nourrir une population mondiale qui ne cesse de croître, eh bien nous nous disons que c'est l'Église qui peut répondre à ce besoin. Parce qu'on n'en parle pas en termes physiques, ce n'est pas le pain, mais c'est le pain spirituel, Jésus-Christ. Nous pouvons, à une seule condition, de nous laisser briser par Jésus-Christ. C'est dans la seule condition que nous serons en bénédiction à d'autres. Frères et sœurs, c'est le moment de se laisser briser. Les pains et les poissons, c'était pour un temps. Mais Jésus-Christ, quand Jésus-Christ nous nourrit, c'est pour l'éternité. Nous n'avons rien à perdre. Depuis le moment où j'ai accepté Jésus-Christ, je ne regrette rien. Rien. La parole de Dieu opère une transformation. La parole de Dieu donne des coups aussi. Les coups sont faits pour nous redresser. J'ai reçu des coups aussi. Mais je veux passer d'une relation superficielle avec Dieu pour monter en puissance. Et cela est possible. Mais je dois me laisser briser. Église de Dieu, Bethsaïda, l'heure est déjà avancée et nous avons une foule affamée. C'est le moment de se laisser instruire. C'est le moment de se nourrir de la parole de Dieu. Ainsi, nous pourrons apporter un conseil, une aide propice à celui qui est dans le besoin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Amen. Nous prions. Éternel, tendre Père, merci Seigneur, parce que tu nous révèles ce que tu souhaites faire à travers, Seigneur, ce miracle des 5 pains et 2 poissons. Mais Éternel, notre Dieu, nous te demandons, Seigneur, d'agir puissamment dans nos cœurs. Nous sommes, Seigneur, un peuple éclairé. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être incrédules à Bethsaïda dans ta maison. Viens, Seigneur, rompre l'incrédulité. Viens casser tout égoïsme, toute hypocrisie, Père éternel. Rends-toi maître de nos âmes, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, afin, Seigneur, que nous soyons de puissants serviteurs pour toi. Seigneur, ta parole est bafouée. Ta loi est bafouée, Seigneur. Mais tu as misé sur nous, Père éternel. Oh Seigneur, viens nous transformer. Fais ton œuvre en nous, Père éternel. Révèle-toi à chacun, Père éternel, qui a entendu ce message, afin que nous soyons forts en Jésus. Éternel, notre Dieu, nous te prions, Seigneur, par le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous permette de vous nourrir de sa parole. Maranatha, Jésus-Christ revient bientôt.
écoute ces